De travail purement psychothérapeutique ou psychologique au dernier moment de la vie, et je pense que c'est un rôle, un travail, une rencontre intersubjective qui peut être tenue, je dirais, par entre guillemets n'importe qui. C'est-à-dire que ce qui me paraît essentiel, c'est que le patient, le mourant, puisse, comme je le disais, s'appuyer sur la vie psychique, sur une personne, la condition dans laquelle il se trouve, et cela jusqu'au bout. Il me semble que c'est l'autre motif, évidemment, de cet engagement-là, si vous voulez. Bachelard disait « Le moi s'éveille par la grâce du toi », mais je dirais qu'en fin de vie, le moi veille par la grâce du toi. Et grâce à toi, mon moi veillera, quand bien même il aurait perdu généralement tout ce qui lui permet d'exister comme moi, la conscience, la lucidité, la maîtrise. Voilà les trois raisons peut-être pour lesquelles ça vaut le coup de s'engager bénévolement auprès des mourants, s'engager pour accompagner en étant un vigile, s'engager pour témoigner que la dignité ça ne se perd pas, s'engager pour s'accomplir une fois qu'on a compris qu'on ne se perd pas en se donnant, mais au contraire on se trouve en ce début. Je ne suis pas le premier à remarquer que beaucoup de vieilles personnes ont besoin de récapituler leur vie, de mettre leur vie en ordre. mais je voudrais leur demander à nos deux intervenants s'ils ont quelque chose à dire. Est-ce que les bénévoles d'accompagnement, au même titre que les professionnels, peuvent aider ces personnes de temps en temps à mettre de l'ordre dans leur vie et aider aussi de façon à ce que ça soit, pas, enfin, que ça puisse se réaliser sans que ça soit le but recherché. À l'occasion des rencontres avec les patients, on travaille nous-mêmes quelque chose de l'élaboration d'un sens vis-à-vis de notre propre vulnérabilité, de notre propre manque et de notre propre rapport à la vie. Quand on vit des histoires d'amour, on a besoin de les raconter. On se raconte... Alors, si on est discret, on se la raconte à soi-même, son histoire d'amour. Si on est indiscret, on ne peut pas s'empêcher de raconter à ses copains « Voilà ce qui s'est passé ». Et il en va de l'amour comme de toutes les étapes de la vie, on passe son temps à raconter. Et alors, précisément, je parlais de la mélancolie de certains vieillards qui ont des choses à donner, mais qui n'intéressent plus personne. Alors, c'est pas forcément mettre en ordre, mais mettre en récit la vie, c'est ce qui fait que, précisément, c'est jusqu'au bout une existence. On va laisser pour demain et après-demain, on ne va pas tout résoudre ce soir. Avant que je remercie vraiment très profondément à la fois nos orateurs et la salle, parce que les deux ont été parfaits. Bonjour, nous vous souhaitons la bienvenue à l'écomusée d'Ungersheim en Alsace, où est organisé le congrès national de la Fédération JALMALV, dont le thème cette année est « S'engager à JALMALV aujourd'hui, pourquoi ?» C'est plus de 400 personnes qui ont assisté hier soir à la séance publique, conférence-débat, où se sont exprimés Eric Fiat, philosophe, et Jérôme Alric, docteur en psychologie. Pour la plupart d'entre vous, ce congrès a débuté hier soir avec la conférence grand public. D'autres n'ont pu arriver que ce matin. Vous tous, présidents d'associations JALMALV, bénévoles impliqués au sein de nos associations, adhérents, sympathisants JALMALV, amis associatifs, je vous remercie d'être là, nombreux. Je crois savoir que nous sommes aujourd'hui 335, représentant 61 associations JALMALV. Je tiens à saluer et à remercier tout particulièrement de leur présence qui nous honore mes deux prédécesseurs, le professeur René Scherer, président d'honneur, mais surtout le fondateur de notre mouvement, le docteur Jean-Philippe Wagner, qui lui a succédé dans ses fonctions de président. Peut-on rester dans l'anonymat ? Si oui, comment faire fonctionner le deuxième pied ? Comment faire connaître notre mouvement ? Comment expliquer notre action sur le terrain ? Voilà, moi, ce que j'ai essayé, les pistes que j'ai essayé de vous donner. Je vous souhaite d'avoir une bonne réflexion, mais je voudrais rappeler cependant que ces ateliers ne sont pas des groupes de parole. Donc, attention à ces pièges. Bien sûr, les animateurs sont là, j'espère, pour détourner ces pièges, mais bien se rappeler qu'on est là pour réfléchir, dans ce cas, sur notre engagement dans la société. Et bon, je vous souhaite bon travail. Salut, les hommes. Wie geht's? Haben wir gut geschlafen? Ce qui veut dire, bonjour tout le monde, comment ça va? Avez-vous bien dormi? C'est pas bienvenue chez les ch'tis, c'est l'Alsacien local. Et ce palais des congrès atypiques nous accueille et nous invite aussi à cette couleur-là. Pour moi, l'engagement, j'ai envie de dire que ça résonne sous forme de mots, authenticité, partage, générosité, citoyenneté, fraternité, humanité, citoyenneté, aussi, générosité j'ai dit, mais don, alors plus gratuité depuis hier soir, on sait que c'est plus le mot, mais sans doute désintéressement. Bien sûr, je tiens aussi à remercier toutes ces personnes qui se sont d'ores et déjà investies pour que ce congrès ait une couleur et une portée. En termes de bénévoles, oui, c'est ces mots-là qui me viennent. En tant que soignant, je peux témoigner aussi qu'il y a la complémentarité, toujours une multidisciplinarité, un cadeau, un vrai cadeau. Et en tant que patient, probablement, j'aurais envie de dire témoignage, compagnonnage, cheminement. Et ce matin, nous sommes invités à passer du pourquoi s'engager, forum, au pourquoi faire vos. Je vous remercie. Est-ce que c'est un sujet qui interpelle? Est-ce que c'est un sujet où, personnellement, toi, tu as déjà les réponses, ou est-ce que tu attends d'autres réponses et d'autres pistes? Non, j'attends d'autres pistes, hein, parce que j'ai été jusqu'à présent vraiment bénévole d'accompagnant et faisant du soutien aux personnes en deuil. Hein, et j'ai la conviction qu'on doit vraiment parler, donner notre position. Et le deuxième pilier de JALMALV me semble important. D'accord. Alors je pense que je ne suis pas vraiment armée pour ça. Ouais. Et je pense que là, je viens chercher de la matière. D'accord. Toi, tu penses que pour l'instant, tu es désarmée par rapport à... Oui. Ouais. Oui. Est-ce que tu as déjà eu des réponses? En partie, j'ai beaucoup aimé la dernière intervention. Ouais. Parce qu'effectivement, les personnes qui défendent le droit de mourir quand on veut, ça semble d'une logique implacable. Et moi, je sens bien qu'au fond de moi, c'est pas juste, c'est pas ma position. Mais comment répondre, comment être, que dire face à ces personnes? D'accord. Claude, toi, tu me parlais tout à l'heure à l'aparté de mission. Le mot, moi c'est spécial parce que j'ai une mission. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus? Alors moi, ce que je peux te dire, c'est que moi ça fait déjà 11 ans que j'accompagne. Ouais. Donc j'ai grandi, enfin, moi, les congrès, les conférences, moi ça me fait grandir et l'accompagnement aussi. Donc j'ai l'impression d'avoir passé des caps. Maintenant, le pourquoi je suis là, c'est parce que j'ai besoin d'entendre des choses, toujours j'ai besoin de me dire oui, je suis dans l'accompagnement, oui, je suis dans le bon engagement, parce que c'est important d'être dans le bon engagement. Tu accompagnes depuis, excuse-moi, tu accompagnes Claude depuis 11 ans et tu reviens à la question originelle presque. Pourquoi je le fais? Non? Je sais pourquoi je le fais. Est-ce que tu peux nous le dire? Je le sais pourquoi je le fais, parce que je suis là, je suis toujours présente. Donc quelque part, j'apporte la réponse du pourquoi je le sais. Ouais. Sinon, je serais un coup là, un coup pas là. Ouais. Donc là, moi, c'est une conviction pour moi. Et comme je le sais, parce que j'ai quelque chose à l'intérieur de moi qui me missionne pour aller vers l'autre. Voilà, c'est ma vie, c'est comme ça. C'est très fort chez moi. D'accord, merci.